Bonjour madame. Bonjour. Alors je vous interview à partir de la 10e circonscription du Pas-de-Calais, où vient d'avoir lieu les élections législatives. On est à Bruay-la-Buissière, une ville dont le maire est RN. Oui. Et justement, le député qui vient d'être élu est également RN, sachant que juste avant c'était une dame qui avait fait aussi un tour par le RN et puis qui avait terminé la Reconquête. Mmh. Je ne sais pas si elle s'est représentée par contre. Mais en tous les cas, voilà, on a donc une circonscription qui est bien étiquetée RN. Vous-même, est-ce que vous avez voté ? Non, pas du tout. Donc, vous n'avez pas voté aux législatives ? Non, bah en fait, c'est parce que j'ai pas trop eu le temps. Et puis, dans tous les cas, j'ai jamais été votée. De votre vie ? Ouais, jamais été votée que pour les présidents ou quoi que ce soit. Donc... Ah oui, même à l'élection présidentielle, vous n'avez pas voté ? Non. D'accord. Non, non. Si j'aurais été votée, ça aurait été blanc. D'accord. Et je peux vous demander pourquoi ? Bah, tout simplement, bah, après, avec le boulot, tout ça, j'ai pas trop le temps. Mais sinon, après, j'y pensais pas. Après, je suis encore jeune. On va dire que y a mes parents qui votent, oui, mais pas moi. Moi, j'ai jamais voté et puis bah, j'ai jamais pensé à y aller, quoi. D'accord. Vous m'avez dit que votre métier était auxiliaire de vie. C'est ça, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons de voter en tant qu'auxiliaire de vie ? Est-ce que la vie est facile en tant qu'auxiliaire de vie ? Ben là, justement, si j'aurais pu voter, etc., j'aurais pu y aller parce que ben, moi, personnellement, je ne veux plus être avec M. Macron, d'ailleurs. Oui, nous non plus. je comprends bien, ouais. Et non, le truc qu'il y a, c'est que... personnellement, bon, je dirais pas pour qui j'aurais voté, hein, bien sûr, mais... J'aurais pas été jusque là-bas, quoi. Jusque là-bas ? Ouais, j'aurais pas été voté pour Macron. Oui, d'accord. Vous voulez pas dire pour qui vous auriez voté ? J'étais en train de réfléchir... Je comprends un peu. Plutôt sur Madame Le Pen, quoi. D'accord. Ouais. Alors ça aurait été pour les présidentielles, du coup ? Ouais. Et dès le premier tour ? Si vous aviez voté au premier tour, ouais. Ce qui n'a pas été... Dès le premier tour. D'accord. Ouais, ouais. Et vous attendez quoi de Madame Le Pen, du coup ? De beaucoup de choses, j'ai entendu parler de beaucoup de choses par rapport aux femmes, déjà par rapport aux personnes qui ont eu certains problèmes avec la violence conjugale, etc. Le fait qu'elle est plus présente pour nous en tant que femmes que certains hommes présidentiels. Pourtant, en général, les associations féministes ont plutôt appelé à voter la NUPES. Excusez-moi. Ouais, je vais mettre pause. Oui, je disais, les associations féministes ont plutôt eu tendance à appeler à voter la NUPES, voire pour la présidentielle, la France Insoumise. Après, je ne saurais pas vous dire, ouais. Je ne regarde pas ce genre de choses, donc dans tous les cas, je ne saurais pas vous dire par rapport à tout ça. Le fait que ce soit une femme, pour vous, c'est ouais. Un peu un gage qu'elle va défendre les droits des femmes ? Ouais, le droit des femmes, c'est important chez moi, donc déjà pour mes deux filles et pour le fait que dans la vie, on a besoin d'être soutenu par une femme, parce qu'il y en a très peu. Ah oui, il y en a très peu. Et sur les autres plans, sur le plan social, par exemple, en tant qu'auxiliaire de vie, vous auriez plutôt fait confiance du coup à Madame Le Pen, oui, également ? Oui, toujours à Madame Le Pen, par rapport le fait qu'elle proposait beaucoup de choses pour nous. Après, je ne saurais pas vous dire exactement, parce que bah, j'ai entendu surtout des échos, je ne regarde jamais les infos, donc j'entends plus des échos, donc c'est tout. Mais moi, pour l'instant, puis avec ma famille, on est tous avec Madame Le Pen, donc voilà. C'est un petit peu une tradition. Voilà. Et ça fait très longtemps qu'on est avec Madame Le Pen et ça fait... voilà. D'accord. Mm. Et est-ce que vous avez entendu parler de l'engagement de Monsieur Ruffin par rapport aux auxiliaires de vie, les métiers du lien ? Non, justement, non, j'entends pas du tout. Je vais mettre pause. Oui, est-ce que déjà vous connaissez Monsieur François Ruffin ? Non. Non, ça me dit rien. C'est un député de la Somme, de la France Insoumise. Et il a fait plusieurs films, en fait, à la base c'est un journaliste, hein. Mm-hmm. Et il a fait son dernier film qui s'appelle justement « Debout les femmes », ouais. Que j'ai vu et qui défend justement ce qu'il appelle les métiers du lien. Mm-hmm. Donc tous ces métiers, les AVS, les auxiliaires mm-hmm. de vie sociale, etc., qui sont hyper importants, sans lesquels le pays ne peut pas tenir, ouais, mais qui sont extrêmement mal rémunérés et avec des horaires souvent éclatés également. Oui, je connais. Ouais, ouais. Je dirais pas le contraire parce que bah, actuellement la société avec qui je suis, bon je ne citerai aucun nom, elle paye
comme elle peut en fait, comme elle peut, parce qu'elle elle aussi, elle, enfin, la société, elle a besoin d'avoir ses trucs derrière, mais on a des postes assez durs. Après, il n'y a pas que à cause de la société, il y a surtout avec les gens qui deviennent égoïstes aussi, surtout qui pensent qu'à eux, surtout le week-end en fait. Les clients, vous voulez dire, ou bien... Non, les collègues. Les collègues, mais après, j'en dirai pas plus, je ne me mêlerai en rien dans quoi que ce soit. Mais en tant qu'auxiliaire de vie, les horaires, le travail qu'on doit faire, des fois on est censé être en binôme, mais on finit par être tout seul. Donc ouais, non, c'est pas un métier facile et je pense qu'on a besoin d'être appuyé sur ça. D'accord. Et est-ce que vous seriez pour une augmentation des salaires en France ? Ouais. Et Marine Le Pen le souhaite pas, ça, elle le revendique pas. C'est plutôt une revendication qui est portée par la NUPES. Mm-hmm. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais après, comme je vous ai dit, je m'y connais pas du tout en présidentiel. Moi, on va dire que je voulais voter juste Marine Le Pen par rapport à un point positif féminin. D'accord. Pour le féminisme, le RN, pourtant, je suis d'accord que c'est une femme, ça c'est clair, c'est une femme forte, etc. Ah ouais, elle a parcouru beaucoup de choses, voilà. Madame Le Pen. Voilà, et puis bon, voilà, on n'a pas autant que ça de personnages féminins, présidentiables en plus, comme elle. Mmh. Mais sur le plan du féminisme, le RN, ça a toujours été un parti qui, justement, remet en question certains droits, mmh. avec, par exemple, beaucoup de catholiques au sein du RN, enfin une branche qui n'était pas très favorable au droit à l'avortement. Avec autrefois, je me rappelle qu'il y avait le salaire maternel à un moment donné qui était revendiqué, qui a plutôt tendance à maintenir les femmes à la maison. Ça n'a jamais été en tous les cas un parti qui était porté par les associations féministes. Bien au contraire, elles le dénonçaient dans la rue. Donc, je suis un peu étonnée de... Je peux comprendre après, la figure de femme forte. Après, je suis à fond dans le truc féminin, donc ouais. Comment ? Le truc féministe, etc. Je suis à fond dedans, etc. C'est tout. Oui, mais moi aussi, en fait. moi aussi, c'est pour ça que je suis étonnée, parce que pour moi, le RN, c'est l'inverse du féminisme. Il y a pire. C'est vrai qu'il y a Zemmour qui est encore pire maintenant. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on est égaux, en fait. On ne peut pas faire la différence entre une femme et un homme. C'est ça le truc qu'on cherche, en fait. On tout doit être payé comme une personne normale, quoi. Enfin, une personne normale. Ouais. Un homme et une femme n'a aucune différence, quoi. C'est tout. Tout à fait. Ouais. Parce que par exemple, dans La France Insoumise, hein, j'y suis pas, hein, mais j'informe, il y a des féministes revendiquées qui militent depuis des lustres. Hein. Je pense à Clémentine Autain. Qui vient d'un mouvement féministe à l'origine, hein, mixité, et qui s'est beaucoup engagée sur les droits des femmes, contre le viol. C'est, d'ailleurs, elle s'était outée, entre guillemets, c'était avant MeToo. Avant MeToo, vous voyez, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Elle avait communiqué qu'elle-même, elle avait été victime d'un viol, etc. C'était très fort, quoi, en termes de message. Ces personnages-là, bon, vous ne les connaissez pas, en fait. La plupart, non. D'accord. Non, du tout. Après, je suis désolée, mais... Non, c'est comme ça. Je ne m'intéresse pas très beaucoup à la politique, on va dire, donc... D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait, justement, que fassent ces partis pour peut-être faire plus connaître leurs positions, qui sont pourtant, à mon avis, plus féministes que le RN, et plus sociales aussi, puisqu'ils sont pour l'augmentation des salaires. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour vous convaincre? Est-ce que c'est possible? Je ne saurais pas vous dire. Franchement, je ne saurais pas vous dire, parce que... On va dire, moi je suis quelqu'un qui se prend pas la tête, donc je vis au jour le jour, donc je serais pas vous dire du tout. Et il y a le poids de la socialisation familiale, pour vous ça serait peut-être un peu s'écarter? Ça pourrait être un point positif, ouais. Comment? Ça pourrait être un point positif. De quoi? Bah, le truc social, etc., envers tout le monde en fait. Pour nous, déjà en tant qu'auxiliaire de vie et aide-soignante, ça serait bien en fait. Les mesures sociales, pour que ça serait les personnes bien. Comprennent qu'on n'est pas des machines non plus, qu'on a besoin aussi de temps. Parce que faire une demi-heure ou 45 minutes ou une heure, des fois, il n'y en a pas assez pour certaines personnes, certains patients en fait, qui ont besoin de plus. Malheureusement, on ne peut pas faire plus, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Ça entraîne à bâcler le travail, personne n'est content. C'est ça, en fait. Après, bâcler le travail, ce n'est pas non plus une bonne chose, quoi. On va dire pour la personne, c'est peu. C'est peu dans sa vie. Surtout que certaines personnes n'ont pas de famille, etc. C'est pas facile pour eux. Donc rester une demi-heure, une heure, c'est pas assez, quoi. Ouais.
Et donc, je suis un petit peu embêtante, hein, mais j'aimerais savoir, parce que j'ai quand même l'impression, d'après vos revendications, que vous êtes finalement plus le profil qui, logiquement, devrait plus voter France Insoumise. Est-ce que c'est... Enfin, je vous le dis, ouais, par rapport au féminisme, par rapport au social, au salaire, parce que c'est pas du tout, finalement, ce que revendique Marine Le Pen. Je sais très bien que c'est pas ce qu'elle revendique, etc. Après, chacun fait ses choix, etc. Tout à fait. Mais vous avez peut-être d'autres raisons. Vous avez peut-être d'autres raisons pour vouloir voter elle plutôt que la France Insoumise, par exemple. Moi, clairement, c'est par rapport le fait juste féminin et le pour suivre ma famille, en fait. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Après, comme je vous ai dit, je ne m'intéresse pas plus que ça à la politique. Je regarde pas les infos, donc voilà. D'accord. Et est-ce qu'au niveau de la France Insoumise, il y a des choses qui vraiment vous rebutent et fait que vous ne pourriez pas voter pour ce parti politique, par exemple? Je ne veux pas être bloquée sur eux, hein, mais je les donne comme exemple, étant donné que bon, c'est un très gros parti à gauche. Et non, je ne saurais pas vous dire, franchement. Il n'y a rien qui vous rebute? La personnalité de Jean-Luc Mélenchon, ça ne vous rebute pas? Je sais que ça en rebute certains. Non. D'accord, donc problème d'information, je dirais, parce que finalement... Je suis pas informée de plus que ça, donc je ne saurais pas vous dire. Malheureusement, non, je ne saurais pas vous dire, à part par rapport à mon métier, par rapport au truc féministe, il n'y a que ça que je peux vous dire. D'accord, et vous n'avez pas eu des retombées sur ce qu'a fait le député, le maire dans votre ville? Non, je ne regarde pas. D'accord. Donc, non. D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir.